Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les aides financières, les lieux ressources, les possibilités d'entretien individuel avec les professionnels de la parentalité, de la petite enfance, du social ou de la santé, ou même des groupes de parole pour rencontrer des parents ou d'autres futurs parents. Vous retrouverez en description de cette vidéo le lien vers le site Parents31 qui recense l'ensemble des ressources abordées dans cette présentation ainsi que l'intégralité des vidéos Atelier Naissance. Nous accueillons deux expertes, Julie, conseillère technique parentalité à la CAF. Bonjour. Bonjour. Et Delphine, travailleuse sociale à la CAF. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Julie, pouvez-vous nous donner des lieux ressources pour les parents ou futurs parents ? Par exemple, il existe les lieux d'accueil enfants-parents, communément appelés les LAEP. Il y en a une vingtaine dans le département de la Haute-Garonne. Ce sont des lieux qui accueillent les parents, les futurs parents avec leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce sont des lieux qui sont gratuits. C'est un espace de jeu, de socialisation pour l'enfant, mais ce sont aussi des espaces de parole pour les parents qui leur permettent de rencontrer d'autres parents, des professionnels pour échanger autour de l'arrivée du bébé. Les échanges se font dans le respect de l'anonymat et dans la confidentialité de ce qui sera partagé entre les parents et les enfants et les professionnels. Les parents peuvent aussi adhérer à une association, à un CCAS, un centre social ou un espace de vie sociale. Ce sont des lieux d'accueil qui sont implantés dans des quartiers ou dans des communes qui proposent en fait des activités aux parents et aux enfants. Divers services y seront proposés pour faciliter la vie quotidienne, mais aussi pour les démarches administratives. Et des ateliers sont proposés, par exemple, autour de la cuisine, des sorties culturelles, des ateliers parents-enfants pour réfléchir au sommeil, à l'alimentation du bébé. Certains accueillent aussi une ludothèque, qui est une autre ressource pour les parents, qui leur permettent de partager un temps de jeu avec leur enfant. Donc soit sur place, ou alors ils auront la possibilité aussi d'emprunter ces jeux pour les ramener à leur domicile. Et où peut-on trouver les coordonnées de tous ces lieux ressources ? Ces ressources, vous pouvez les retrouver sur le site parents31.fr, qui est un site qui centralise toutes les informations. Il y a une carte interactive pour trouver les ressources proches de chez soi ou de son lieu de travail. Il y a aussi un agenda où l'on peut retrouver tous les événements, les ateliers parents-enfants que j'évoquais jour par jour. Vous avez aussi des actualités qui sont proposées sur des sujets liés au développement du bébé. Pour exemple. Nous venons de présenter des lieux ressources pour rencontrer des parents ou des professionnels, mais existe-t-il d'autres possibilités d'accompagnement individuel ? Oui, la CAF travaille avec des services d'aide à domicile pour lesquels des personnes qualifiées, des professionnels, peuvent intervenir au domicile des parents. Donc par exemple, des auxiliaires de vie sociale, des AVS, peuvent intervenir pour soutenir les parents, notamment à l'arrivée de l'enfant, pour tout ce qui est gestion des tâches du quotidien, le ménage, la préparation des repas, la gestion des courses. Mais il peut y avoir aussi des TISF, des techniciens d'intervention sociale et familiale, qui interviennent en fait pour soutenir la fonction parentale ou pour l'éducation des enfants, notamment pour une aide aux devoirs, pour s'interroger autour du développement, autour des relations aussi parents-enfants. Les heures d'intervention sont définies avec les parents en fonction des possibilités donc des services conventionnés avec la CAF. Et l'aide est ponctuelle, en fait. On peut faire appel à l'aide à domicile pour une durée de 1 an. Il y a des situations particulières comme la naissance de multiples, mais aussi la maladie ou le handicap, qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière pour lesquelles l'intervention pourra durer un petit peu plus longtemps. Donc on invite les parents à se saisir de cette possibilité d'intervention à domicile en contactant directement les associations qui sont partenaires de la CAF. Il existe également à la CAF des professionnels de social qui accompagnent les parents. Delphine, pouvez-vous nous présenter l'offre de services du pôle social territorialisé, s'il vous plaît ? Oui, alors les travailleurs sociaux de la CAF visent à offrir des services de proximité aux familles qui ont au moins un enfant à charge ou à naître et qui traversent un ou des événements de vie tels que la séparation, un impayé de loyer dans le parc privé, le décès d'un conjoint ou le décès d'un enfant, qu'il soit périnatal ou postnatal.
Les travailleurs sociaux proposent avant tout aux parents un espace d'écoute et de soutien autour de leurs ressentis, de leurs préoccupations et de leurs besoins. Ces rendez-vous peuvent également permettre aux parents de discuter autour de leurs projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou familiales. En fonction des besoins exprimés, les travailleurs sociaux peuvent aider les parents à définir leurs priorités et les accompagner dans la réorganisation familiale, professionnelle ou budgétaire, et les aider dans la mise en œuvre. Les professionnels peuvent également être amenés à orienter les familles vers des partenaires spécialisés. Une question qui préoccupe beaucoup les parents, les modes d'accueil. Julie, pouvez-vous nous en parler ? Oui, il est conseillé aux parents de réfléchir au plus tôt à la question du mode d'accueil pour son enfant, pour anticiper les démarches administratives. Il est aussi recommandé que les parents prennent un temps pour définir leurs besoins en fonction de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, des temps de trajet, des souhaits éducatifs, du budget, des ressources que l'on a à proximité sur sa commune ou dans son quartier. Quoi qu'il en soit, les relais petite enfance, les RPE, sont des structures qui sont là pour accompagner les parents et qui les informeront des différents modes d'accueil qui existent. Les modes d'accueil individuels, par exemple avec des assistantes maternelles indépendantes ou des crèches familiales ou de la garde à domicile. Mais aussi, il existe des modes d'accueil collectifs, des crèches collectives, des crèches d'entreprise, des haltes-garderies. Toutes les coordonnées des relais petite enfance sont accessibles sur le site monenfant.fr. Et quoi qu'il en soit, la CAF participe financièrement, quel que soit le mode d'accueil choisi par les parents, soit en versant une aide financière directement à la structure, soit en versant une prestation aux parents. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces précisions. En complément de toutes ces informations, n'hésitez pas à consulter les sites monenfant.fr, parents31.fr, ainsi que le site des 1000 premiers jours.